Yo les duelistes, j'espère que vous allez bien, comme moi ça va super bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu au titre, à la miniature, on s'ouvre une collection. Ça fait un petit moment que j'avais pas reçu de collection aussi cool et je pouvais vraiment pas passer à côté, tout simplement de ne pas vous présenter celle-ci. C'est une collection vraiment, vraiment très cool. Je pense que vous êtes vraiment pas prêts pour ce qu'il y a à l'intérieur. Notamment là-dedans, il y a un deck compétitif, sûrement tierce 1, peut-être 1.5 du moment. Enfin, c'est vraiment que des cartes incroyables et voilà, il y a pas mal de choses vraiment cool à découvrir. Ce que je vous propose, c'est que on ne tarde pas sur l'intro, vraiment, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. On va simplement regarder tout ça. Il y a une partie que je connais qui était présente dans des classeurs que j'ai sorti pour simplement vous les montrer plus facilement. Vous savez que j'ai pas un énorme recul entre cette caméra-là et la caméra de devant. Et il y a des tin box complètes de cartes communes, rares. Il m'a dit qu'il y avait un petit peu de tout et quelques produits. C'est voilà, j'ai essayé de vous montrer un maximum de choses. Si cette vidéo, le concept, etc., te plaît, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à lâcher ton meilleur pouce et à t'abonner. Et c'est parti, on découvre tout ça. Ok, donc première partie que je voulais vous montrer, c'est les produits scellés. Alors on va avoir. Petit deck Mekaba, lui franchement je sais pas trop si je vais le laisser sceller ou pas. On va avoir, franchement ça c'est cool, je vais en garder un pour moi. C'est, je sais pas comment ça s'appelle en français, c'est une très très vieille édition avec le créateur. Mais c'est de l'espagnol et toujours en espagnol on va avoir les sanctuaires Antigo. J'ai pas le nom, j'ai pas le nom en français, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et à vous moquer de moi également. Il y en a 4, il y en a 4 sous blister. Alors les blisters ont un petit peu mangé, comme vous pouvez le voir, ils sont un petit peu gondolés, peut-être qu'ils ont pris l'eau. Mais c'est toujours cool. Voilà, ça donne un petit peu le ton de tout ça. J'ai 3 tin box qu'on va se découvrir ensemble. Il y a quelques cartes sous sleeve, j'ai vu. Et puis j'ai regardé un petit peu rapidement quand même. Il y a quelques communes, mais il y a quand même pas mal de cartes sympas également. Tac, on va se découvrir tout ça en fait, tout simplement. Reconnaître, réglage. Ok, donc ça c'est du MP20. Ouais. Ok, ça c'est du LDS1 avec pas mal de. Normalement, il y a du Toon également dans cette édition-là. Ouais, il y a du Toon, comme je te disais. Bah, je vais pouvoir refaire une base rouage ancien. Je sais que c'est une base que vous aviez kiffé. Hein. Clairement, c'est une base pour laquelle limite vous étiez 4 ou 5 à me demander si la base était dispo. Alors honnêtement, si c'est que des communes, je vais essayer de le skip. Parce que les communes, c'est vraiment pas ce qui m'intéresse le plus, sachant que je sais qu'à l'intérieur de cette collection, il y a des cartes vraiment incroyables. Donc je vais plus essayer de me rapprocher de ça. Mais bon, je vais essayer de vous montrer. On va voir. Ne s'emballons pas. Ok, donc ça ressemble à du deck Marionnette de l'ombre qui a pas trop été touché. Fossile vivant qui est une très bonne carte. Ouais, toujours du Marionnette de l'ombre. Un petit peu de tout, ça c'est du MP19 si je me trompe pas. Mais... un petit peu tout, les cartes sont un peu à l'envers. C'est un peu désagréable, mais bon, ça c'est du LDS hein, à nouveau. Tac, avec des bêtes cristallines, avec des toons. Puis on rouage ancien, carte la commune sûrement la plus prisée du moment. Parce que Dragoon, quoi, tout simplement. Alors est-ce que je cherche des communes particulières? Non, par contre, ça m'intéresse beaucoup. Ouais, ça c'est vraiment très cool. C'est des cartes qui font le Pulse et ça peut être utilisé comme Field Center et je ne les avais pas. Donc je suis très content de... Enfin, j'avais pas de jouer en tout cas, donc je suis très content de le récupérer. Est-ce qu'en commune, je cherche des trucs particuliers? Non, je ne crois pas. Après, à voir. J'ai vu de l'œil maléfique et en vrai, ça peut me chauffer de faire le deck œil maléfique. Donc why not? Ça, c'est du DLCS. Ok. Ok, ok. Alors le fait que les cartes soient recto verso, c'est un peu relou, je vous cache pas. Ok, il y a un petit peu de tout, ça c'est du MP19, ça c'est du CEO, Jim, CEO. Ça c'est du deck de structure roquette avec de bonnes cartes, hein, mine de rien. Deck de structure roquette, ça c'est du monde virtuel, c'est vrai qu'il y a une grosse base monde virtuel dans ce deck-là. Tiens, je vais essayer de me la mettre de côté également, à voir. Franchement, le deck me chauffe pas plus que ça, mais je me dis, si je le récupère complet dans une collection, pourquoi pas essayer de le jouer, me faire un avis, et surtout, si tu apprends à jouer un deck, techniquement, t'es plus fort quand tu joues contre, en fait, tout simplement. Donc, si j'ai les cartes, pourquoi pas faire 2-3 plays avec, pour voir ce qu'il en est, et me faire un avis complet sur le sujet. Dites-moi comment vous faites, vous, pour apprendre à jouer avec ou contre un autre deck. Ça, c'est des très très bonnes communes, mine de rien. C'est des communes qu'on voit pas beaucoup. Ah, le petit Bandican, lui, il fait plaisir également. Franchement, c'est cool qu'on ait récupéré ça, c'est vraiment très cool. Là, c'est clairement des cartes pour ma collection. Hein. Pour ma collection. Je collectionne plein de petits trucs un petit peu what the fuck. Je sais pas trop comment les caractériser. Et en tout cas, ça, c'est des trucs qui sont, je trouve, cool à récupérer. Ok. J'ai eu quelques cartes Toon. Ça aussi, c'est des cartes qu'on voit pas souvent. Les Aquatrices. Mélange des styles. En Toon Chaos. Pas mal. Il y a des cartes sympas là, mine de rien. Il y a des cartes sympas qui passent. Qui font des bases de deck. Genre le Maléfique, j'en parlais tout à l'heure. Il y a également les.
Mince. Tac, où est-ce qu'elles sont? Putain, je les ai vues tout à l'heure. C'est pas vrai. Elle est désenchaînée, voilà. Je cherchais la carte désenchaînée. Qui sont des cartes sympas et qui font des bases de deck que vous aimez bien, souvent. Donc, moi, je prends ce genre de choses. Je trouve que c'est toujours bénéfique. Et on a quasiment terminé la première deck box. Ok, pas mal de cartes à l'envers. Pour le coup, il n'y avait pas grand-chose d'incroyable. Même des trucs sympas quand même, hein, mais pas grand-chose d'incroyable dans cette box-là. Mais... Ok, alors attends, pourquoi c'est sous sleeve ça à la fin? Putain, je vais tomber n'importe quoi. Alors ça, on s'en fout. Ça, c'est que les trucs dont on s'en fout. Ah putain, ouais, il m'a dit ça. Voilà, voilà. Elle est dédicacée. C'est incroyable. Ça, je vais l'offrir. Je sais déjà à qui je vais l'offrir, mais ça me fait extrêmement plaisir de l'avoir récupéré, tout simplement. Et là, il y a quelques Field Center sympas. Field Center. Non, c'est pas Field Center, c'est la Margaret, ça. Et puis les filtres un peu génériques. Et à nouveau cette carte là. Tac, bah écoutez, la première box est terminée. Tac, je vais essayer de mettre ça à peu près rangé. Tac. On va s'entamer la deuxième box quand je vois la pile de cartes qui est à côté que j'ai envie de vous montrer. Vraiment, vous n'êtes pas prêts. Il y a des cartes, même moi j'étais là genre. Ah ouais, ok. Ok. Et pourtant, c'est mon boulot aujourd'hui. Et clairement, des cartes, des grosses cartes, des grosses collections, etc. J'ai l'habitude d'en voir passer. Et même moi, là, j'étais là genre. Ok, ça blague pas, tu vois. Ok, ça c'est une bonne carte. On l'a vu passer, enfin bon, on s'en fout un petit peu, mais ça reste une. Enfin, on s'en fout un petit peu. Pas de là à la mettre au milieu, on va dire, mais ça reste une très bonne carte. Beaucoup, beaucoup de Toon Chaos. Hein. Le Toon Chaos, je m'excuse, mais on va le skip. Sauf s'il y a des Gamma. Parce que Gamma est sûrement la meilleure carte de Toon Chaos en rare. Sûrement le meilleur reprint qui était possible dans cette extension. Ouais, bon, là, c'est beaucoup, beaucoup de Toon Chaos en rare classique. Des cartes qui sont jouées, hein, qui sont utiles, mais c'est pas ce qui m'intéresse à vous montrer tout de suite, quoi. Tac. Encore quelques petits Toon Chaos. Bon, y a des cartes sympas, là, mine de rien. Ça, c'est toujours cool. Bon, c'est un reprint en dieu avant, mais c'est toujours sympa. Petit Mechaba. Petit Titan. Bah, guerrier fossile squelette, c'est cool. Ça me tâte, n'empêche, je me chauffe peut-être. Enfin, ça peut me chauffer de faire le deck. Genre, le deck est ok, tu vois. Là, tu vois, on parlait des mondes virtuels tout à l'heure. Tac. Pas mal de cartes. C'est assez récent quand même, tout ça. Pas mal d'électroménageurs, de cartes assez cool. Tac. Pas facile de les attraper dans la deckbox, hein. Longtemps que je n'ai pas fait une ouverture où je vous montre toutes les cartes, mais c'est que, tu vois, franchement, je pense que je vais me chauffer à faire le deck œil maléfique. En plus, il fait des trucs sympas, genre des petits moves, pas incroyables, mais c'est un deck fun. Et en vrai, vraiment, je pense qu'il y a tout. Je pense que je vais me chauffer à faire le deck. Et en vrai, je trouve ça sympa de pas avoir que des decks méta ou tryhard. Bon, je m'excuse, elles sont à l'envers, mais c'est parce que ce ne sont pas des cartes extrêmement intéressantes. Alors là, j'ai des sleeves bleus. Est-ce que sleeve bleu, ça veut dire... Ouais. Sleeve bleu, ça veut dire deck monde virtuel. Ah bah non. Pas que, du coup. Mais en tout cas, il y en a une partie qui veut dire monde virtuel. J'ai l'impression qu'il y a une grosse partie du deck, quand même. Peut-être qu'il n'y a pas tout ce qui est rare, genre les Lulu, etc. Mais il me semble que... Je veux pas vous spoil, mais il me semble que je les ai vus tout à l'heure. Donc en soi, pourquoi pas. J'ai l'impression... Tu sais quoi, on va les mettre de côté. J'ai l'impression qu'il y a... Un deck Generator. Et ça, c'est pareil. Le deck Generator, c'est un deck. J'étais grave surpris de voir qu'il y avait autant de personnes qui étaient ultra chaud pour jouer ce deck-là. Et j'ai vendu des bases de deck il y a quelques temps. Il y a encore le Generator ici. Sur les groupes. Et vous étiez vraiment nombreux à me demander vraiment uniquement Generator et Rouage Ancien. C'était vraiment les bases qui partaient le plus. Donc, s'il y a une autre base Generator, je sais que ça va faire des euros. Donc c'est ok, tu vois. C'est ok, ok. Ça, c'est quoi ça? Je connais même pas cette carte-là. Chaud. Tac. Là, déjà, on a un petit peu plus de rareté, ça fait plaisir. Toujours agréable quand ça brille un petit peu, quoi. Une partie à l'envers. Tac. Ça, c'est calendrier de l'année dernière. Très dommage qu'on n'ait pas eu de calendrier cette année. Je suis vraiment très déçu de ne pas en avoir. Je comprends, hein, peut-être que c'est un produit qui se vendait pas très bien, ou j'en sais rien, tu vois. Mais je trouve ça dommage. Moi, j'aimais vraiment bien voir mon petit calendrier tous les ans.
sais, c'est un peu une exclue d'une année sur l'autre. Enfin, je sais pas, je trouvais ça cool. Ça me manque un petit peu. Dites-moi, enfin, vraiment, c'est vrai que je vous sollicite souvent dans les commentaires, mais dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous auriez aimé avoir un calendrier cette année ou pas? Je sais pas si ça aura un impact particulier, mais c'est toujours cool de savoir. J'en parlais tout à l'heure, c'est une bonne commune. Où est-ce que j'ai mis? Bon, j'ai pas mis. Je vais essayer de séparer, du coup. Parce qu'il y a une grosse base monde virtuelle, mine de rien. Tac. Enchaînons. Ça, c'est pareil. C'est des cartes toujours cool pour des decks comme Bakura ou ce genre de choses. Des cartes que j'aime bien, moi, voilà, tout simplement. C'est du Zodiac. Je sais pas pourquoi je me suis arrêté sur la Zodiac. Vraiment, ça m'a attiré sur le moment. J'avais un appel. C'est pour ça que j'ai skippé l'appel directement. Attends, on a même la petite Gorgone. Je pense vraiment que je vais me chauffer à faire. Enfin, c'est relou. Au moment où j'allais tourner, je vois qu'il y a des cartes dans le bon sens de l'autre côté. Tac. Alors, bah là, je vois des cartes cool. Je vois des structures psy. Est-ce que ça, c'est pas une. Il y a combien de playsets? Il y a 3 playsets, c'est ça? Ouais, il y a 3 playsets. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah non, il y a 2 playsets et une carte ROM. Très bonne. Voilà. Ça, c'est ça. Ça, je prends. Ça, je prends parce que clairement, c'est l'une des meilleures. Une trappe du format et je sais que c'est une carte qui vous intéresse beaucoup. Le barricade bloqueur qui n'a pas de rareté supplémentaire que rare, c'est un petit peu dommage pour lui. Derrière on termine et on a terminé la deuxième boîte. Alors là pour le coup, ces boîtes là, ces boîtes qu'on est en train de regarder, je les découvre avec vous. Vraiment j'avais aucune info là-dessus, on en a discuté un petit peu brièvement, etc. Ça c'est un timer. Et il marche en plus. Cool, un timer. Toujours cool, voilà, tu peux le mettre dans plusieurs deckbox, enfin moi c'est ce que je fais, j'en ai dans plusieurs deckbox, et toujours très pratique, ça c'est encore du Toon Chaos, j'ai l'impression. Ouais, Toon Chaos, vous m'excusez, j'ai adoré l'extension, parce que ça m'a permis d'avoir un deck Toon qui est un petit peu plus costaud, mais à vous montrer, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Il y a vraiment beaucoup de Toon Chaos, j'ai l'impression. Tac. Après, s'il y a du Toon, c'est toujours cool. Il y a plein de sleeves bleus là. Est-ce qu'on tente les sleeves bleus, genre sleeve bleu égale deck? On va voir ça. Bah, déjà, un comic, ça me fait extrêmement plaisir. Ça, on va se la mettre là. Très bien. Bah, il y a de l'œil maléfique, fusion aux yeux rouges, flux intemporel. Pas mal de cartes cool. Ok. Même ça, c'est du monde virtuel du coup. Ça fait partie. Ok. Bah, bleu égale monde virtuel, j'ai l'impression. C'est des sleeves vides en fait. Ok. Je suis fait bait par des sleeves vides et des cartes magiques. Tac, on va le mettre sur le déco. Et on enchaîne. Et après, vous êtes pas prêts. Parce que là, j'ai des cartes un peu en vrac, entre guillemets. Toutes les autres cartes qu'il me reste à vous montrer, c'est que des cartes, ça vous donne un indice quand même, qui sont sous sleeve. Elles sont toutes sous sleeve. C'est incroyable. Oh, il y a plein de cartes. Il y a plein de cartes qui m'intéressent là. C'est vraiment trop cool. Pas des cartes incroyables, hein, clairement, hein, mais c'est juste des cartes genre œil de Sélène. Voilà, ça me fait ça m'intéresse, tu vois. Genre, ça m'intéresse. Ça carte Generator, tac. C'est des cartes cool, voilà, tout simplement. Pas d'autres mots en fait. C'est juste des cartes que j'ai envie de récupérer pour me faire le deck. Donc, le ou les decks, hein, je sais pas encore. Tu sais pas, et des enchaînés, ça peut me chauffer. Hein. Généralement, j'ai des cartes que j'avais pas trop gardées, et puis bah, je me dis peut-être que bon, voilà, sur un malentendu, ça peut faire un deck. Un deck cool, mais tiens, les Valkyries, on en parlait tout à l'heure. C'est pas la même. Pas le même archétype, mais c'est encore une Valkyrie. Hop. Quand même pas mal d'ultra, super. Tu vois que c'est une collection qui est quand même assez variée, mais concentrée sur quelques éditions. Je sais pas, un truc qui part dans tous les sens. T'as du très vieux, du très récent. T'as quand même pas mal. C'est pas mal centré, genre, sur des extensions assez récentes, j'ai l'impression. De toute façon, vu le deck, c'est forcément des collections assez récentes. Hein. Vous n'êtes pas prêt pour le deck. Vraiment, je sais que peut-être que je passe pour un pimpin à vous dire ça, mais le deck, il est. Même moi, quand j'ai vu le deck, j'ai fait genre, ok, on signe où? C'était incroyable. Très content d'avoir obtenu cette collection. Pas mal de numéron. Et puis en plus, il y a. Ouais, ok. Mais les numéron, c'est cool aussi, franchement. C'est cool, 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 les numéron. J'ai bugué, j'ai cru voir une autre carte. Ça, je confonds tout le temps avec l'autre qui est incroyable. Ça, c'est du Generator. Il y a de l'All My Fix, c'est du Generator. Ça, c'est du Generator à nouveau. Mais en fait, là, il y a un deck Generator, j'ai l'impression. Et c'est une bonne chose pour vous. C'est une bonne chose pour vous. D'ailleurs, je suis quasiment sûr que quand sortira cette vidéo, j'aurai déjà recontacté les personnes qui m'avaient dit « Ah, je suis intéressé par Generator » et peut-être que
la base sera déjà vendue, quoi. Oh ouais, c'est sûr que je peux faire œil maléfique quasiment au complet. Beaucoup de cartes trop cool. Je rajoute des cartes générateurs, je pense que je les ai déjà. Hein. Clairement, je pense qu'elles sont déjà dans le paquet, mais je préfère les remettre plutôt que de devoir rechercher après les liens cristallins. Ça fait plaisir, les liens cristallins. Ça, je les mets de côté parce qu'il me semble qu'il m'en manque. C'est quand même assez trié, j'ai l'impression, tu sais, magie, monstre, piège, etc. C'est assez stack. Et c'est peut-être plus simple pour le tri, pour moi, je sais pas, je me rends pas bien compte. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a les 3 loot Generider en Mystic Fight. Je crois que c'était une secret, ça. Je confonds peut-être. Peut-être qu'elle existe aussi en secret, hein, j'en sais rien. Tac, on a fini avec la dernière des boxes. Donc ça, c'était vraiment les boîtes que je voulais découvrir avec vous. Et là, maintenant, du coup, donc là, il y a la petite deck box qu'on va pouvoir se voir tout à l'heure. Maintenant, on passe, et ça, c'est incroyable, hein, on passe au paquet de cartes qui sont tous sous protection. Tac. Et vous allez voir qu'il y a des trucs, rien que ça, voilà, rien que ça, c'est incroyable. Ah oui, voilà. Alors, je regardais 3 pour moi, mais regardez-moi ça, les Warning Points, qui est une carte qui est sortie très très récemment, qui est une bonne carte, pas trop jouée pour le moment, j'ai l'impression, mais qui est une très bonne carte. Voilà, il y avait 4 cartes dans cette collection-là. Il y avait beaucoup de Danger, il y avait vraiment... en fait, il y avait un classeur de plus ou moins staple, je sais pas vraiment comment on peut le caractériser. Et il y avait beaucoup de cartes x3, enfin, vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup de cartes qui sont, là, les venir en secret, beaucoup de cartes qui sont utiles et qui sont un petit peu stack, voilà, le petit Gizmec qui fait plaisir, qui sont stack, ça fait extrêmement plaisir, qui sont stack ensemble, en fait, tout simplement. Unicorn, le petit Avramax, un petit Saryuja, je crois qu'il en a passé un Saryuja juste avant, en plus. Saryuja, lui, il est en secret. C'est des bonnes cartes, hein. Clairement, c'est des cartes très récentes. 3 Veiler, 2 Ogre Fantôme, un petit Maximus. Alors, Maximus, d'ailleurs, je vais le mettre de côté parce que, voilà, ce que j'allais dire, le reste est là. Tac. En fait, il y a un petit Engine, une petite base Dogmatica. Tac. Toujours très agréable. Il y a une belle base en US de Thunder. Alors, pas tout en US, mais une bonne partie. Et ça, en vrai, pas vous mytho, ça me fait assez plaisir. Thunder, je sais pas si c'est un deck qui peut revenir. En fait, en vrai, au moment où je sors cette vidéo, je sais pas où je tourne cette vidéo, je sais pas quand elle va sortir. Et si ça se trouve, Thunder sera déban. Enfin, Colosse, peut-être A1, j'en sais rien. Il y a une énorme base Necrose, c'est pareil. C'est une super... Il y a 3 sur un élixir de l'éveil noir. Incroyable. 3 pots d'extra. Pots des désirs, pardon. Il y a une cyber urgence. Un petit Twin Twister en secret. J'adore cette carte-là, cette rareté. Elle est vraiment très belle, hein, notre Twin Twister. Il y a 3 Desire, 2 en Tosh, 2 en MP20, 1 en Tosh. Il y a 3 Cosmic. Petit Tourne-Page Toon, ça c'est une très très bonne carte. Ah, le petit Emergency, alors ça fait pas partie, mais c'est joué là-dedans. Et voilà, parmi les cartes incroyables, voilà ce qu'il y avait à l'intérieur. 3 Colosses, français, Ultimate. Boum, rien que ça. Incroyable. 3 Titans, un petit Venom, un petit Trishula, et puis un petit Mechaba en secret. Et ça c'est... En gros, là, ce que je vous ai montré, j'ai encore à peu près 6 fois l'équivalent. Enfin, j'ai juste un... Attends, je vais pas vous montrer ça tout de suite. Je vais prendre... Parce que je vais essayer de prendre les paquets derrière avant de prendre les paquets de devant. Alors, je vais vous faire défiler les cartes et je m'arrête quand je vois des trucs que j'ai envie de... sur lesquels j'ai envie de commenter, quoi. Il y a des cartes, voilà. Bon, elle en Rimp, par exemple, c'est une carte qui me fait plaisir. Si Stromberg, c'est pas incroyable, mais je suis toujours content d'en récupérer. Qu'est-ce qu'on a de cool? Bah, les Regiki, ça fait plaisir. Pas mal de cartes fossiles, hein, en vrai. Pas mal de cartes fossiles. La fusion, roi, j'en sais, une très bonne carte. Gnome Material, c'est pareil, c'est un playset que t'es toujours content de récupérer. Tac. Alors, j'ai vraiment peur. Vu qu'elles sont sous sleeve, c'est vachement plus glissant. Je sais pas si vous avez déjà fait des piles de sleeve. Vachement plus glissant que certaines cartes. Et du coup, bah, parfois, j'ai peur que ça tombe un petit peu en face, là. Donc, je vais essayer de les faire plein de petits tas. Un peu partout, histoire que ça ne tombe pas, justement. Beaucoup, 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 beaucoup de Generider. C'est quasi sûr que j'ai une base complète, du coup. Hein. C'est quasi sûr. En plus, j'ai l'impression que c'est de l'US. Petite répression, toujours une bonne carte. Petite engage en secret. 3 prisons de l'abomination. Très bonne carte. Encore du... Ça fait partie des cartes fossiles, ouais, tout à fait. Ça fait partie des cartes fossiles, donc c'est une... bonne carte, clairement. Vu qu'on a pas mal d'autres fossiles qu'on a pu voir ensemble déjà, donc c'est une bonne chose. Radiateur Codeur qui est une bonne carte, hein, Radiateur Codeur. Ça en ultra, c'est toujours cool, hein, clairement.
Petite oreille qui est cool. Le Jinzo superposé, il est sympa, hein, en vrai. L'artwork du Jinzo superposé est vraiment stylé. Pas mal de cartes assez récentes. Ça, c'est du Vitesse Ruid, je confonds avec autre chose. Ok. Encore du désenchaîneur. Je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a encore du désenchaîné. Alors, mince. Tac, je fais attention à ça quand même. Pas mal de Numéron, encore des Numéron. Franchement, c'est les Numéron sont très représentés dans cette collection. Encore un petit Abramax juste ici. Petite Kaina, plus belle en ulti en vrai. Ah oui, regardez ça. Voilà, il y en a 6 ou 7, je sais plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Voilà, j'ai 3 murs oui, Numéron. Il y a un deck Numéron quasiment complet aussi à l'intérieur. Hein. Les petites Lensea, dont 2 en secret. Fait plaisir. Alors ça, c'est cool. Parce que ça va en vrai avec le Generider. Mais surtout, c'est des US. En plus, c'est des Dane. Je vais les mettre là parce que je pense que c'est des cartes que je vais vouloir. Ah, j'ai confondu avec ça tout à l'heure, Boss Quest. Et tout à l'heure, c'était récompense de je sais pas quoi. Monde virtuel. Tac. Ça, c'est des cartes qui vont avec monde virtuel. J'ai pas trop l'impression. Je vais pas les mettre, c'est quoi? Voilà, ça va avec monde virtuel, c'est sûr. Petit unicorn. Ah, le Bardiche. Vous imaginez quand même que j'ai ouvert 22 boîtes, je crois. 22 boîtes Mago. Et que c'est la première que j'ai. Petit Bardiche. J'aime pas les golds, pas spécialement les golds, mais sur les monstres de l'extra deck, je trouve que c'est ok, tu vois. Donc j'accepte. J'accepte et je vais sûrement la mettre dans mon deck. Petit Harpy Phaser, petite invocation. Incroyable. J'ai l'impression que plus, tu sais, genre au fur et à mesure, t'avances les cartes et genre tout est incroyable. Genre juste ça, voilà, avec titre violet, tu l'as croisé quasiment jamais avec le titre violet, c'est stylé. Putain, il y a une carte qui glisse. C'est stylé en vrai, hein. En vrai, c'est le petit Denko Seka, tout le monde a vu qu'il était en US? Absolument. Absolument, absolument. Alors, il me reste encore 4 piles. 3 Gizmek en MP20, des jugements, des répressions, des Tissibou. Encore une fusion roi ancien, c'est une bonne carte. 2 espaces KO. Allez, Sinet Minage, très bonne carte. Des Aleister en secret. Petit ulti. Voilà, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'il n'y en a que 4 ou 5, un truc comme ça, mais ça fait toujours. Toujours très plaisir, les Sinet Minage en... c'est quoi, c'est MP20 ça? Ouais. MP20, je les mets de côté pour pouvoir faire mon Matmec. Que voilà, il me manquait quelques cartes pour faire Matmec. Putain, mais il y a vraiment une belle base de petits rochers là, je sais pas comment ils s'appellent, guerrier fossile, voilà. Je pense que ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est une carte qui est recherchée, Dame Pierre à Feu, dis donc. Et le petit Dragon d'Hibernation que je jouais à l'époque. Je jouais Dragon d'Hibernation dans mon ancien Rocket, en fait, tout simplement. Pour vous dire à quel point je joue Rocket depuis longtemps. Même si en ce moment je joue un peu moins Rocket, hein, clairement. Je trouve vraiment beau le Chimera Deck comme ça. Pareil. Megaton, très bonne carte. Guerrier Fossile, très bonne carte. Vraiment plein de bonnes cartes. T'es là, genre, ils ok, tu vois. C'est pas grand chose à redire. Hein. Franchement, sur cette collection, et là il y a encore des enchaînés. Vraiment pas grand chose à redire. Hein. Oh, regardez ça. 2 canons de flamme et un petit le vrai nom. C'est très bien ça. Ça, c'est très bien. C'est pareil pour Force dans l'Union. Hein. Clairement, c'est des cartes que tu es content de faire tomber. Point. Voilà, il n'y a pas de négociation de ouais, machin. Non, c'est cool. Point. C'est stylé. Alors, Fusion Neos en playset en MP20. Ça, c'est pareil. Tu vois, on peut se les mettre là, de trop côté, tranquillement. Rupture miracle. Monstruosité. Bah, tiens, on va la mettre là, celle-là. Ça va avec les. Ça va pas vraiment avec l'archétype, mais ça va quand même un petit peu ensemble. Petit sacrifice. Sanctuaire du dragon. Putain, j'allais dire sacrifice inutile. Ah, et là, il y a du monde virtuel. Pas mal de cartes cool. Ça, c'est toujours sympa. Putain, je viens de voir Schisme. C'est toujours sympa parce que c'est les cartes non censurées. Et on a petit Schisme. Schisme qui est une très bonne carte qui est surtout jouée dans les decks méta actuels. Recycleur en super. C'est toujours une bonne carte, recycleur en super. Il y a encore du mur numéro 1. Il y a du Jinzo, la menace machine, qui est une carte récente sortie dans LED7. Très très bonne. Très bonne chose. Hop, tu vois le Generider. Tac, il y en a encore par ici. Vraiment, Generider, je vais avoir une base complète. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors, on enchaîne. Je suis content parce que la vidéo va pas durer si longtemps que ça. Je pense une petite demi-heure, quelque chose comme ça. Et en vrai, c'est ok. Tac, petit roi véritable qui va ici. On va en mettre 2. Parce que c'est joué à 2, je crois. Donc, why not, hein. Ah, bonne carte, apprenti magicien de l'illusion. Bonne carte, ça fait plaisir. Pareil pour Ombretoun. Tiens, Ombretoun, on va se la mettre ici. Sait-on jamais. Il y a encore des... Ça, c'est cool aussi. Franchement.
Ah, le petit structure psy. Alors, je le mets là. Parce que je l'ai vu tout à l'heure, le petit blois, ce qui est vraiment magnifique à chaque fois. En anglais, c'est dommage quand même. C'est vrai que les. C'est. Certaines de ces cartes sont en anglaise, c'est un peu dommage. C'est pas grave, mais c'est vrai que c'est un peu dommage. J'ai vu les Psy Gamma en Ultra tout à l'heure. Tiens, ça, c'est une bonne carte aussi. Et donc, Psy Gamma Ultra, ça veut dire pour ma collection, puisque je ne les ai qu'en Toon Chaos, puisque je suis un Trimar qui n'a pas acheté les cartes à l'époque, quand elles sont sorties, puisque je ne jouais pas avec ce format de cartes-là, tout simplement. C'est assez vieux, quand même, mine de rien. Je sais pas quand la méta Gamma est. Enfin, la méta Psy est arrivée. Mais c'est vieux, je dirais 2014, quelque chose comme ça, et je jouais pas en fait, tout simplement, à ce moment-là du jeu. Dites-moi si je me plante dans les commentaires. Ouh, une bonne carte ça. Très bonne carte ça. Petit Raviel qui passe au passage. Voilà, c'est gratuit le Raviel, hein, clairement. Petit pont arc-en-ciel. Hop, encore du Generator. Clairement, le Generator, je vais l'avoir un nombre incalculable de fois. Je pense que je vais juste pouvoir trier et garder. Il y a pas mal d'artisans sorcières là, dis donc. Hop. Il nous reste deux piles. Deux piles et le deck. Bon, on va le rajouter à nouveau. Je pense que j'aurais peut-être même du rab hein, sur le Generator, clairement. Encore le soldat météo. Très bonne chose. Je sais pas si on l'a vu deux fois ou trois fois. Mais dans tous les cas, ils ok. Sortez de là. C'est une bonne carte aussi, sortez de là. Mallet de Toon. Je vais mettre de côté. Je sais pas si je l'ai pour ma collection de Toon. Encore de l'œil maléfique. Et ça, c'est cool en vrai, l'œil maléfique. Et ça me fait plaisir. Hein. Je pense vraiment que je vais me faire le deck du coup. Hop. Parce que c'est un deck qui est sympa à jouer. Voilà, est-ce que j'ai besoin de me justifier? Je ne pense pas. Tac. Alors. Oh, il y a des cartes sympas là-dedans. Ouais, ça c'est sympa. Ça c'est très cool. Ça c'est très cool. Oh, ben, regardez ça. Est-ce que ça c'est pas incroyable? J'ai pris le. Voilà. Bon, on enchaîne hein, sur les trucs vraiment incroyables. Je crois que j'ai pris le paquet. Ça va là. J'ai pris le paquet où il y avait les cartes les plus stylées. Avec encore du Generator, encore du Generator. Voilà, il y a deux Mabel. Hein. Clairement, si vous posez la question, est-ce que le deck est complet? La réponse est oui. Là, la petite griffe d'Amarpie. Rien à dire là-dessus. Rien à dire là-dessus. Là, on a des cartes. C'est des playsets. Hein. Clairement, ça va pour regarder ça. Safer playset en secret. Il n'y a rien à dire. Voilà, le playset de Safer, il est là. Il est en secret. Il est complet. Il est ok, tu vois. Encore une fusion roi, j'en sais même pas que je n'avais vu qu'une seule, je crois, dans la collection. En fait, il y en a bien plus que ça. Un petit homme papillon. Ça aussi, c'est une bonne carte pour les Neftis. Neftis ou Nephis, je sais jamais comment ça se dit. Ça aussi, c'est un bon reprint, mine de rien, ça. Le Manirou. Ça aussi, ça fait toujours plaisir, hein. Clairement, oui. Est-ce que le playset de Cancrela, il fait plaisir? Vous savez pourquoi je le mets là? Parce que ça, c'est des cartes qu'on ne va pas vendre, clairement. C'est des cartes qui, pour moi, n'ont pas intérêt à être en vente tout de suite, ce qui fait que j'ai commencé une petite collection de Cancrela Max. Et regardez ça. Voilà, il y en a 6. Il y a 6 Ash Blossom. Pas de commentaires à faire là-dessus. Ah, voilà. Ça, mes amis, c'est les Ultras que je n'avais pas. Et donc, ça fait plaisir. Et le petit fantasmé en playset. Tac, enchaînons, enchaînons. Clairement, c'est des cartes incroyables, ça. Oh, regardez-moi cette petite Apollouza. Alors c'est la secrète en rira, hein, mais ça fait plaisir. Le petit soldat de lustre noir derrière. Encore une Apollouza. Deux Fibrax. Un petit Alistair. Bon, elle a été reprinte, mais un petit Alistair. Deux attaquants. Un charge Borel. Mais regardez-moi tout ça. C'est pas incroyable, sérieusement. On dirait que je fais de l'ASMR alors que pas du tout. Carte. Voilà. Ben voilà, hein, clairement. Est-ce que ça, c'est pas incroyable? Si, totalement. Il y a deux Slim. Ah oui, il y a deux Zeus, c'est vrai, il y a deux Zeus dans cette collection. Ok, donc il nous reste dernier paquet à aller voir ensemble. Et c'est pareil, normalement c'est des staples. Ah bah les Lulu dont je parlais tout à l'heure. Franchement, le deck, je pense qu'il est quasi complet. Du coup, il va me manquer rien du tout. Ça, c'est, je les ai déjà, mais c'est une très bonne carte en vrai. Oh putain, c'est vrai, j'avais oublié ça. Messieurs, dames, j'avais oublié ça. Bon, il y a un petit Surnalish, mais il y a surtout un dragon ailé de rat en ghost. Je l'avais oublié en vrai. C'est pas une blague, j'étais vraiment. Oh bah, il y a ça aussi. Ça aussi, c'est une très très belle carte. J'avais oublié, mais regardez-moi cette beauté, putain. Je sais pas combien on est. Peut-être on est à genre une demi-heure de vidéo, j'en sais rien. Je suis désolé pour ceux qui sont pas restés jusqu'au bout. Mais en vrai, il y a même. Le deck Generator est complet, en vrai. Il y a trop de cartes sympas. Et je vous ai pas encore présenté le deck. Et je vous ai pas. C'est ça le plus ouf, c'est que moi je sais. Vous savez pas encore, mais moi je sais. Et je sais que vous allez faire genre.
Ouais, ok, la collection, ça c'est pareil, ça les Ice Dragon, je ne les avais pas, très bonnes cartes de side, il les faut. Hop, les petites Zinperm, il y a deux petites Zinperm pour terminer. Bon, il nous reste le deck, il est juste ici. Bon déjà, je vous ai pas présenté la deckbox, les petites deckbox de WCQ, franchement la Duflo, c'est dommage qu'elle soit un petit peu abîmée par là, mais en vrai je me suis tâté là, est-ce que vous pensez que ça peut faire un épisode sympa de, vu qu'elle est un peu abîmée un peu partout entre guillemets, elle a des petits pets, elle a des, voilà, est-ce que ça peut être sympa de faire un truc genre... Comme si je la customisais. Je sais pas comment faire. Genre peut-être avec de la peinture, peut-être avec des feutres, des Posca, ce genre de choses. Je me dis, avec, en gardant juste ça, ça peut faire un truc incroyable. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Peut-être que vous êtes déjà parti en fait à ce moment-là de la vidéo. Putain, je vous ai spoil une partie du deck. Je suis deg. Je suis deg. Alors, je vais vous commencer par le deck. Ensuite, on passera à l'extra deck. Ensuite, le side deck. Les trois parties sont incroyables. Donc, c'est un deck. Dogmatica. Invoked. Âme des magiciens. Et le cliché, voilà, j'ai pas grand chose à vous dire de plus. Le deck, voilà, juste ça, c'est des secrets. Les âmes des magiciens, elles sont en française, les sornaliches, elles sont en secret. Le petit paquet, ah oui, bah oui, voilà, il y a les TTT en secret. Il y a les trois nadirs, il y a les Magical Meltdown, il y a les invocations qui sont également en secret. Il y a tout en fait. Attendez, jusqu'au bout, les petits Imperm x3. Donc, ça, c'était le deck. Voilà, c'est un deck à, je sais pas, c'est un deck à. 500 euros, peut-être. Peut-être sûrement plus, même, d'ailleurs. Maintenant, on a l'extra deck. Anaconda et Dragoon. Voilà, clairement. Anaconda, Dragoon, le petit Almirage avec le package Gardena Sécurité. Le petit Ents, la petite, on en a vu une tout à l'heure, en plus. Les petits Mechaba en secret. Le Purgatorio en secret. Le petit Plegias. Le Link Orubo. L'Access Code. Ouais, messieurs, dames. Ouais, il y a un Access Code dans cette collection. Petite Selene, encore une Ents. Et puis après, c'est les tokens. Et attention pour le side deck. Alors, Guettin. Oh merde, je vous ai spoil. Oh merde, j'ai pas fait exprès en plus. J'ai juste voulu vous montrer la Secret Heavenly Match que du coup, je vais swap pour une des miennes. Puisque j'adore jouer avec les Secret Rares. Donc, je vais essayer de récupérer les trois maintenant. Trois Heavenly. 3 droplettes françaises première édition, 3 plus que tout gouverneur, 3 nib et 3 Uluverlu. Est-ce que c'est pas incroyable? Et bien voilà, messieurs, dames, je pense que cette vidéo est déjà assez longue pour ce qu'elle est. Franchement, je suis content d'avoir pu essayer de tout vous montrer, le tapis, les cartes, les différentes bases de deck, ça, ça que je suis très très content de récupérer. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous vous posez la question, il y a de fortes chances que la plus grande majorité de ces cartes-là soient très bientôt disponibles sur mon Card Market, le lien dans la description, parce qu'aujourd'hui, c'est mon travail, en fait, d'acheter des collections et de les revendre, d'acheter des produits scellés et de les ouvrir avec vous en vidéo. Et voilà, ça fait partie de ma vie en fait aujourd'hui, et tout ça fait partie, ça c'est grâce à vous en fait, c'est pas un mensonge, c'est vraiment grâce à votre soutien, grâce à tous les messages que vous pouvez m'envoyer régulièrement, à vos messages genre écoute j'ai pas envie de commander chez quelqu'un d'autre, je veux commander chez toi, enfin voilà, ça fait extrêmement plaisir, et tout ça bah, je vous en remercie grandement. Je parle sûrement à plus grand monde puisque vous êtes sûrement déjà tous partis, mais ceux qui sont restés, sachez que je vous en remercie grandement, et cette aventure là, cette histoire là et cette partie de ma vie que je peux écrire grâce à vous, et bah ça me fait vraiment chaud au cœur. Sur ce, prenez soin de vous, faites de nombreux duels et collection de cartes, lâchez votre pouce, votre abonnement, voilà, toutes ces petites choses-là, et puis à bientôt les potes. Allez, ciao!